les examens deviennent de plus en plus difficiles. Et lorsque nous voyons qu'habituellement l'effectif est estimé à 60 ou 70 et qu'un seul élève soit en classe ce matin, et franchement, c'est un sentiment de désolation. Ce que nous demandons aux élèves, c'est de ne pas attendre. L'examen se prépare dès au début de l'année. Il ne faut pas attendre que les jours passent. Les cours ont effectivement démarré. Alors, ils doivent être là comme prévu. Alors, je leur lance un appel pour venir à l'école, venir suivre les cours, parce que les examens se préparent en début de l'année. Pour moi, je dirais que j'ai un refus parce que tout le monde sait déjà. Ils ont annoncé à la télé que la rentrée, c'est le 25 septembre. Donc nous, les élèves, on ne pouvait pas déformer ça. C'est déjà dit. Et nous, on ne peut pas dire comme ils ont dit maintenant le 25. Nous aussi, on a dit sauf le lundi, ainsi de suite. Non. Si c'est le 25, on devait être là le 25. Surtout l'école, l'AST. Les professeurs viennent massivement, même s'il s'agit du premier jour, s'ils ont eu le courage, malgré sous la pluie là, et ils sont là, moi aussi je devais être là. Parce que c'est eux les professeurs, s'ils sont là, nous les élèves, pourquoi? On devait être là encore. C'est ça qui est normal, selon moi. Pour ceux qui n'ont pas venu, je dirais que c'est un refus. Pour le moment, le sentiment que j'ai, je dirais pas que les profs n'ont pas accepté l'appel, mais peut-être qu'il y a des empêchements parce que ce matin aussi il pleut et je sais qu'ils viendront. On a juste dû attendre un peu parce que qu'il pleut, donc on va essayer de voir la situation d'ici 10 heures. On va essayer de voir s'il sera là et on va en chercher à savoir c'est quoi le problème. Mais pour le moment d'abord, il n'y a pas de motif. Malgré cette pluie battante, les professeurs sont venus. Quelques élèves sont là et j'ai instruit à ce que ceux qui sont venus déjà commencent à recevoir leur premier cours. Vous avez fait le constat et effectivement, à travers ce communiqué de notre ministre Jean-Paul Sédhi, son Excellence Jean-Paul Sédhi, pour l'ouverture des classes ce 25 septembre 2024, et ça a été respecté au lycée Amer Sectouré. En tout cas, les élèves qui ont accepté de venir commencent déjà à recevoir les premiers cours. Les professeurs sont là, malgré qu'il n'y a pas assez d'élèves. Il y a de cela une décennie, l'école guinéenne, pendant les premiers jours de l'ouverture, est victime de la nonchalance des élèves qui traînent toujours les pas par rapport à la date officielle de la rentrée scolaire. Et cette année, le même constat est en train de s'avérer. Et ces choses que vous et nous, hommes de médias, familles, nous devons chercher à combattre en passant par la sensibilisation des parents d'élèves pour qu'ils acceptent de libérer les élèves le premier jour de l'ouverture pour qu'ils puissent rejoindre leurs écoles. Parce que si vous prenez par exemple la répartition annuelle du programme, aujourd'hui les cours démarrent, les premiers cours seront donnés. Nous, on ne va pas les attendre pour dire que non, les élèves ne sont pas venus, on ne peut pas donner les cours. On a instruit, l'instruction a été donnée à tous les niveaux, que même s'il y a un seul élève, de donner le cours. Parce que son droit de recevoir ce cours-là, le fait d'accepter de venir suivre les cours le premier jour de l'ouverture. Donc cet élève-là ne doit pas se retourner sans recevoir ses premiers cours. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et je lance un appel aux parents d'élèves, n'est-ce pas, de se débarrasser de cette vieille habitude qui n'est pas bonne pour l'avenir du pays, pour l'avenir de leurs propres enfants.